gars, c'est l'enfer. Arrêtez, arrêtez. Oh arrêtez. Oh, avant même de commencer, je tiens à dire. Ah, c'est. Yes, il a perdu. Carlito a perdu ses cheveux même sur son casque. Sachez que j'avais dit, les gars, on fait une intro pas laborieuse. 3, 2, 1. Bonsoir. Bienvenue pour ce YouTube Warrior 4 dans le décor le plus incroyable de toute cette série. Je suis honoré d'être de retour dans cette série et d'avoir coupé la parole à Cyprien à l'instant. Oui, c'est vrai. Rappelons que Squeezie a déjà gagné dans l'épisode 1, petit extrait. Hop, c'est tout. Ce sera tout pour l'extrait. C'est, pas c'est un peu plus long maintenant quand même. On est dans un décor de ouf, puisqu'ici nous sommes en Grèce. Cela est un mensonge total et délibéré. Non. Nous sommes à Vaison-la-Romaine. Putain, mais tu lui coupes alors qu'il dit une bonne phrase. Qui est d'accord avec moi? Vous levez la main. Squeezie sort du champ pour l'intro. Oui. Casse-toi. Allez, ça dégage. Dans des ruines absolument magnifiques. C'est quoi? Ça s'appelle un théâtre? Un amphithéâtre? Mec. Il est chiant. Sors de là, s'il te plaît. Bon, écoutez-moi. Mais il y a un complot. Écoutez-moi. Déjà. Bonsoir! Nous voilà dans ce décor de théâtre antique grec! Mais non, on est à Vaison-la-Romaine. Sortez pour l'intro. C'est pas possible. On n'y arrive pas. Voilà. Ça a changé votre chaîne depuis le premier YouTube Warrior. Effectivement, il s'y trouve un magnifique théâtre antique. Comment on appelle ça? Un demi... théâtre antique grec. Pour en l'occurrence la sortie du nouvel opus d'Assassin's Creed qui s'appelle Assassin's Creed Odyssey. Et qui se passe justement en Grèce antique, vous avez compris. Donc là, on est projeté dans l'univers du jeu. Les gars, vous venez? Oui, okay, s'il te plaît. Parce que j'ai de la peine un peu. Ah ouais. Et pour cet opus, nous incarnons, nous, les Spartiates en rouge. Et Cyprien et Lucas, mesdames et messieurs, qui sont nos invités, incarnent les Athéniens. Nous sommes les héros, ce sont les antagonistes, les ennemis, les anti-héros. Les méchants. Vous connaissez le principe de YouTube Warrior. Moi, j'ai oublié, tu peux peut-être le rappeler, Raphaël. Il s'agit d'un parcours d'obstacles rocambolesque dans lequel deux équipes s'affrontent. Parmi ces deux binômes, le plus rapide. Tu te fous de ma gueule? Non. Mais mec, c'est incroyable. Mais on peut plus rien. Je l'ai pas bien fait, je l'ai bien fait là. Mais oui, mais on peut. Putain, le mec, ce mec, on peut plus. Un peu long. Non mais reste. Fais la ton. Bon, je me replace. Pourquoi ce thème, mon cher Maxime? Non. On l'a déjà dit. Le principe du jeu. Bon, allez, ça dégage. Il s'agit d'un magnifique parcours d'obstacles mis en place par nos équipes qu'on salue. Voici leur visage en bas de l'écran. Et l'équipe qui gagne a le droit de diffuser ce qu'il veut sur la chaîne des perdants. À savoir. Si. C'est l'équipe ce qu'elle veut. L'équipe la plus rapide, celle qui a le moins de temps de compteur, comptant les malus et l'addition des deux joueurs, aura le droit de diffuser sur la chaîne des perdants absolument ce qu'elle veut, vous connaissez le principe. Et là, c'est McFly et Carlito contre Bigorno et Coquimère. Voilà, maintenant un petit point sur la... Quoi? T'as dit quoi? Il y a une nouveauté. Nous avons dit pour cet épisode au revoir à Léopold, qu'on embrasse fort, mais qui était nul en maths, pour accueillir un nouvel arbitre de qualité, mesdames et messieurs, Benoît Blanc, s'il vous plaît. Vous avez compris, Léopold, on a vu avec lui, on veut plus le victimiser, c'est normal, on lui a vraiment tout fait. Et voilà, il est. Mais on peut quand même s'abonner à sa chaîne YouTube, par exemple, c'est possible? On a un putain de gage pour les deux gars. On a réfléchi pendant des semaines. On l'avait déjà en fait pour l'Abeu en tête. Mais on n'a pas pu lui faire parce que c'est trop violent pour l'Abeu. Quoi? Si jamais. What? Oui. Ça va, il va se passer quelque chose sur le YouTube français. Lance Benoît Blanc sur la présentation. Benoît Blanc. La première épreuve, le parcours du fil d'Ariane. Vous allez devoir faire un parcours d'obstacles où il ne faudra jamais lâcher le fil d'Ariane. Deuxième épreuve, la mémoire des assassins. Il va falloir reconstituer un puzzle. Vous savez, c'est les puzzles en 3D comme quand on est bébé, comme ça qu'on fait les tric-tric-tric-tric. Bref, troisième épreuve, le Spartan Kick. Ici, vous allez devoir mettre un Spartan Kick dans la machine Spartan Kick Machine. Si vous êtes le premier, c'est-à-dire que vous avez tapé le plus fort, vous avez zéro malus. Si vous êtes le dernier, le plus mauvais, vous avez plus de malus. Vous avez de plus en plus de malus. Moins vous êtes bon, plus vous avez de malus. Épreuve numéro 4, le grec du chef. Maxime sera là qui, après avoir préparé toutes ses épreuves, a bien droit à un bon grec. Faites attention, vous devrez lui dire cette phrase exactement. Qu'est-ce que je vous sers, chef? Pendant que vous allez devoir faire un sandwich grec de qualité, en même temps, vous allez répondre à des questions de Kipo Quiz. Épreuve numéro 5, la lance de Léonidas. Alors là, les malus, c'est très clair. Si vous ratez la cible, vous avez 15 points de malus. Si jamais vous mettez votre lance dans la partie grise, vous avez 5 points. Si vous êtes au centre, vous avez 0, évidemment. On va pas vous mettre des malus alors que vous avez gagné. Épreuve numéro 6, l'envol de l'aigle. Icarus, l'aigle, va arriver. Sur sa patte, il aura un petit papier. Vous allez l'attraper, lire ce qu'il y a écrit dessus, ça sera le malus. Épreuve numéro 7, le trophée spartiate. Vous allez devoir attraper un gros rocher et le porter comme ça, vous n'êtes pas obligé de marcher comme ça, au sommet du théâtre. À chaque fois que le rocher touche le sol, vous prenez un coin de malus dans le dos. Bleh, bleh, je suis derrière, bleh, malus, bleh, malus. Épreuve numéro 8, la vue de l'aigle. Comme dans le jeu, vous allez devoir escalader une tour, arriver en haut, tenir la position de synchronisation. Vous savez, c'est cette pose. Il y a soit celle-là, soit celle-là. Il y avait aussi celle-là, mais je crois qu'ils l'ont pas gardé dans le jeu, c'est comme ça. Et faire le cri de l'aigle, le faire retentir dans toute la Grèce antique. Maintenant que vous êtes bien rincé, l'épreuve ultime, le saut de la foi. On ne pouvait pas faire un YouTube Warrior dans l'univers d'Assassin's Creed sans faire un saut de la foi. Et si vous ne le faites pas, vous prenez un malus de 5 points. Alors n'oubliez pas, on finit toujours avec un saut de la foi. Merci beaucoup, mon cher Ben Blanc. Nous allons
tour à tour dire un mot qui rime avec assassin, qui rime en un, mais qui n'est pas assassin, et on ne doit pas répéter le mot qui a déjà été dit. Je commence. Ok. Assassin. Je commence. Dis un autre mot. Assassin, coussin. Mocassin. Crottin. Ragondin. Oh, déjà ? T'es déjà... Je croyais que c'était en sein. Bah oui, mais ah, non, alors non. Que j'avais dit c'est en 1. Ah pardon, bon bah un sein, voilà, allez, ciao. Non mais mec, mais c'est t'as perdu, Lucas, c'est parti. Lucas, c'est parti. Ok, allez, vas-y, prépare-toi, on y va. Je suis fort en vocabulaire. On a préparé un petit jeu concours pendant les vidéos. Soyez attentifs parce qu'il y a des gros coffrets Assassin's Creed Odyssey à gagner. Bonne chance à tous. Tous mes bigorneaux. C'est pour vous, mes bigorneaux. Comment tu te sens là? Ah, Taras, vas-y! Tu peux nous dire comme ça en deux mots quand même? Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Let's go! Oh là, la souplesse du tigre du Bengale! D'accord, ah ouais, d'accord. Ah merde, il est bon directement. Oh non, il est chiant! Putain! De corde à la con! Ok. Bonjour à toi. On avance. Ah! Je suis si lent! Je suis plus lent qu'un bigorneau, frère! Il est là, il apparaît. Ouais. Oh, il a l'air épuisé. Allez. Ah, c'était fort, j'ai perdu l'équilibre. Attention le fil, attention le fil, attention le fil. Génial. Continue, continue, enlève le fil. Allez. Ok, les petits culs, il faut refaire ce logo. On y va. Le petit cul. Très tôt, il a fait tomber un élément du décor. Oh, il y a des feintes, je suis trop con. Malin, regardez bien, on vous remet la photo dossier. On vous a demandé une photo dossier. Elle n'a rien de dossier. C'est une photo stylée beau gosse. Eh, c'est hyper long les mecs ce jeu. Il est là comme ça. Tous les éléments sont bien. Il s'est dit, quelle photo dossier très honteuse où les filles pourraient dire, oh qu'est-ce qu'il est mignon, je pourrais avoir dans mon disque dur. Est-ce que vous pensez qu'on voit là ce qu'il y a là-dessous là? Parce que là, regardez tes mains. Oh, c'est vrai comme ça. Qui va ici. Wow. Wow, mon cerveau est en ébullition. Ça, c'est le bas, et ça, c'est le cube en haut, et c'est bon, ok, c'est bon. Allez, go, go, Lucas. Celui-là, il est arrivé devant sa photo dossier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, putain, le mec est bon. T'es... Attendez, attendez, regardez le kick, regardez le kick. Vas-y, le kick, regarde comment il se fait. Oh. Ça mérite des points. Allez, de style. Allez, la phrase, est-ce qu'il va oublier la phrase? Salut, frère, qu'est-ce que je vous sers, chef? Salut, frère. Une sauce blanche dans un pain d'ourum. Ah ça, le pain. Platon n'a laissé aucun écrit, vrai ou faux? Vrai. Faux. En 1687, un puissant tremblement de terre a détruit le Parthénon. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Je fais un kebab, fais un effort, je peux pas le me concentrer. Le médecin grec Pythagore il est considéré comme le père de la médecine. Vrai ou faux? Attends deux secondes, je regarde juste les salades pour pas que tu sois intoxiqué en fait. Et c'est fini. Et je m'en bats les couilles de ta question. Salut mon petit pote. Ouais, j'ai jamais manié cette chose. Le bruit de l'échec. Le bruit indique. On voit pas l'épreuve, mais on se dit que c'est de la merde. Il s'est gratté, il a fait vraiment ça, et après il a fait... J'en ai même une dans le mille. D'ici, malheureusement, on ne voit pas... On ne voit rien, là. Là, c'est un moment juste de le voir débarquer. Partir. Mais regarde, mais regarde-le. C'est fatigant. Frère, je suis mort. Allez, courage. J'aimerais transformer en kebab. Oh, oh magnifique. Incroyable. Bonjour. Lucas avait très peur de choper et de se mettre près de l'aigle. Ouais. Merci petit aigle. Et attention. Sip. Quoi? Plus 10. Plus 10. Yes. Mais non, il est content. Il est content. Merci, le caillou va l'aider. Il est content d'avoir un malus. Mais c'est bien. Malus. D'où t'es content d'avoir un malus? Plus 10. Mais non. Ah merde, c'est un malus, putain. Allez, allez, grouillez-vous, putain. L'aigle était impressionné d'avoir Squeezie en face de lui. Ah ouais. Ah putain, est-ce que je peux avoir un petit bout de graine pour ma famille? Un selfie. Mais mec, je peux plus parler. Quelqu'un d'Aventoline? Oh, il y a l'escalade après. Je rappelle que c'est un vrai rocher, un vrai roche. Granit, c'est du granit pur. C'est du pur, 500 kilos. 500 kilos. Là, ici, c'est bien. Ouais, elle faisait au moins 300 kilos, la pierre. Eh vas-y, enchaîne. Pardon. Regarde, il y a un logo YouTube sur la pierre. Prends pas les malus, ok? C'est beau, beau travail de la déco. On a directement attrapé les malus. Beaucoup de malus, là, pour Lucas. Beau travail de la déco. Lucas a déjà gagné une fois, un YouTube Warrior. Bonjour. Ça va? Comment tu vas? Bien. Ça fait un centième de l'épreuve. J'ai plus envie. Il est épuisé. C'est une sorte d'oiseau. Il y a Alex. Il y a Alex qui a trouvé la tête. C'est bon. Timer, 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 c'est lui, c'est lui.
5,09. La durée de la vidéo. C'est le plus long. Il est blanc. Lucas est blanc. Bravo, oh là, franchement, Lucas, bravo, Lucas. Frère, ça va? Le parcours est fantastique. Ah, comment il c'est est... vrai? J'aimerais le refaire, si possible. Dans une semaine. Elle est hyper impressionnant. Ah ouais? Ah ouais, il est beau, hein. Ah, il est beau. Et tu sais comment il s'appelle? Non. Olivier. Non, mais en vrai, c'est impressionnant ou... Ah oui, oui, quand il t'arrive dessus, en plus, vu ma carrière, j'ai l'impression qu'il peut m'attraper et s'envoler avec moi. Donc j'ai eu un peu peur. J'imagine. Ensuite, le kick, bon bah... De loin, il est adorable. On est d'accord qu'il est un peu haut pour tout le monde. Ouais. C'est pas lié à toi du tout, hein. Ouais, c'est ouais. Rien à voir. Benoît Blanc, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir le moment fatidique, le compte des malus, s'il vous plaît? Alors, tout à fait. On est à 5,09 en score brut. Exactement, 5,09. Première épreuve, il n'y a eu aucun malus. Il a bien tenu la corde, il n'a rien fait tomber, tout s'est bien passé, c'était assez agréable hein, d'ailleurs. J'ai pas compté un malus gong, parce que c'est un accident. Ça m'a fait mal. On a vu, non, mais faut quand même débriefer. Le malus qu'il a, c'est déjà la perte de temps. Il faut débriefer ce moment, on l'a tous vu au ralenti, et c'est toi qui es l'homme de la situation. Et si Benoît n'était pas intervenu, ce serait devenu la Vénus de Milo. En plus, t'as mal articulé. Ensuite, le kick était superbe. Ah ouais. En termes de style, le score est vraiment pas terrible. J'ai envie de proposer un truc. C'est de rajouter 15 points de style. Parce que franchement... Rajouter, mais il n'y a pas de bonus dans cette vidéo. Non, dans les points. Ah. Parce que c'est celui qui a le meilleur score. C'est quoi le chiffre que j'ai fait? C'est vraiment mauvais, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Parce que on va le voir, 87. Ah oui, c'est nul, oui. Et on peut aller jusqu'à combien? 400, 500, Ouais, facile. Je trouve ça pas mal que l'arbitre ajoute une note de style, ça me fait rire, donc on le fait. J'aime beaucoup. Alors on monte à 100, on monte sur 100 points. Ensuite, c'est là où ça commence à faire mal, c'est le grec du chef. Donc il y a eu quand même 5 mauvaises réponses. Quoi? Ouais. Mais bon, demi-tour, vous avez posé 3 questions. Ah merci. Il y a donc 15 points de malus, hein, des 3 mauvaises questions, et t'as oublié les oignons. Donc du coup, bah, tu n'as pas les points, donc tu perds les encore oignons, 10 secondes. Tu oublies les oignons, merde. Mais pourquoi? J'ai répondu à 2 trucs, pas 3. Non, la troisième, t'as refusé d'y répondre. Mais non, donc je prends ça pour une faute. Alors ensuite, on enchaîne la lance. Bah t'as raté la première, donc 15 points. La deuxième, t'as raté, mais t'as un peu touché sans planter. Donc je compte quand même 5 points. Bah. Enfin, t'as eu tes 10 secondes de malus de l'aigle. Et j'aurais pu ne pas avoir de malus? Il y a les tickets 0. Ça fait 55 points de seconde, donc de malus. Tu as fait 5 minutes 09, ce qui fait un total de 6 minutes 04. Mais c'est interminable, c'est 3 parcours des autres YouTube Warriors. C'est un avantage. Et on enchaîne ou quoi? Allez, c'est qui? Amstramgram, ce sera toi le prochain qui va jouer à l'épreuve YouTube Warriors numéro 4. Oh, Dieu! Pourquoi? J'ai eu peur, non, parce que j'avais pas envie de l'avoir. Oui! Oh, ça me stresse, allez, je me motive. Ah, allez, vas-y, allez, vida. Allez, vida. Allez, vida. YouTube Warrior 4, il est pour nous, mon vieux. J'ai un peu peur. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, genoux! Allez, genoux, ça pique! Allez! Allez, vida! Allez, vida! Ok! Voilà! Ah. Allez! Putain, regardez bien la photo de dessus, tu l'as vu ou pas? Non! Elle est incroyable! Oh non, j'ai pas le temps de voir! Non, j'ai pas vu. Elle s'affiche ici! Il va tellement plus vite que moi! C'est bien! Putain, y'a un truc avec une couille! Ah, y'a un cul! Y'a un cul et des couilles! Ok! Ah! Quelle angoisse! Non, t'es bien! T'es pas bien, T'es pas bien, t'es mal, très mal! C'est quoi ça? C'est là! Prends ton temps! Eh hey, David, y'a le train! Y'a le train, fais vite! Allez! This is Sparta! Ah, il a failli se prendre. Personne n'a sauté à l'horizontale! Attends, il a perdu! Qu'est-ce que je vous cherche? Chef! J'ai raté! Tomate, oignon, sauce blanche, sauce algérienne, dans un pain pita. Ok. Ah putain, ils sont pas coupés. Mars était le dieu grec de la guerre. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Plutôt qu'une médaille, les gagnants des Jeux Olympiques recevaient une amphore peinte et une chèvre. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Zeus était la divinité vénérée au Parthénon. Vrai ou faux? Vrai. Faux. La cité d'Athènes est considérée comme le berceau de la démocratie. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Tiens, c'est un bouffe bien. On est prêt. Allez, go. Allez, on y va. C'est bon, ça a touché, non? Ok, j'ai touché un milieu.
Attention, peut-être que l'aigle va lui faire très peur. Ah non, il kiffe les animaux de ouf et cet aigle est tellement beau. J'ai de la sauce blanche partout. David, va moins vite là, pour ton cœur, va moins vite. Respire et va au cimetière, on la ferme là. On a le temps, c'est juste un tournage. T'as vu, je l'ai vu en erreur. Olivier, viens. C'est la meilleure épreuve. Olivier, c'est vrai qu'il s'appelle Olivier. C'est la meilleure épreuve. Plus zéro. Allez, on y va. Vas-y, vas-y, on est bien, on est bien. Ah, la sauce blanche, mec. Tu l'as ou pas? Attends, la sauce blanche. Allez, par en dessous, vas-y. On y va. Tu vois ça? Ça, c'est des parents, ça se voit. Ah bah, ils ont l'habitude de déménager, clairement. Hein. Allez, tu peux pas aller plus vite, pas possible, là? On garde ce rythme, si tu veux. Moi, je te respecte, là, y a pas de soucis. On est pas ouf en vitesse, là, je te cache pas. Mais c'est bien, on le fait, voilà. À l'ancienne. Allez. Ok, escalade. Là, ça c'est le plus dur là pour David, l'escalade. C'est là où il peut perdre. Ouais, regarde, c'est là où il peut perdre du temps. Il est en spartiate. Oh là là, il est froid. C'est un peu galère. Regarde sur les bras, mais en fait il est puissant. Ah, regarde, il galère. Oh, ça fait chaud. Ah non! La sauce blanche, les gars! Yes, c'est horrible! Oh, putain, dommage, David. Oh, il galère sur les prises. Il a mis son pied sur un malus, hein, je le dis. Regarde, le malus. Ah, il prend, flipper, les, il prend les prises Manus, ouais, hein. Ah, ça c'est dur, ça. Mais bon, il va aller, franchement. C'est bien, c'est bien. Ah oh, oui, oui, c'est bien. Allez, la petite pause, le cri d'aigle. On allez, l'attend. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Ah oh, il était beau, il était beau. Il est gentil. Ouais. Un aigle gentil. Oh, regarde, le regard, j'ai peur. Meilleur. Allez, timer. Ah, ça vient. Allez. Meilleur temps brut, 4 minutes 51. Allez, on va débriefer. Oh, ça a l'air fou. C'est le parcours le plus dur. C'est du jeune. J'angoisse. Bon, ah, y a une blessure, Oh là là. Ouais, donc les gars, je voulais vous dire, top le parcours, excellent, ça s'est fait dans le passé. David, tu as quel âge? Tu as quel âge? 32. Tu as fait mieux que moi qui ai 22 ans. Tu sens la sauce blanche, mais un truc... Les gars, il m'a demandé sauce blanche, j'ai fait comme ça avec la sauce blanche, j'ai pris toute la sauce blanche. La sauge, trois fois la sauge. C'est impossible de dire le mot. Et j'ai glissé tout le long avec la pierre. Tu sens l'ail. C'est l'horreur. Ah, ça pue. Écoute, ah, c'est vrai, c'est l'horreur. Je n'ai jamais appréhendé autant un moment que l'escalade. Ah non mec, c'est trop dur. De ma vie. Comment ça s'est passé? En fait, il y a ma première jambière qui s'est cassée. Eh ben moi aussi, la gauche, elle m'a fait mal. Je l'ai perdue en faisant rien. Donc, Et donc, au début, t'es sur les graviers. Et donc, les graviers, ça crée ça. Putain, la photo d'aussi, c'est drôle. Tu retournes, il y a des couilles, il y a un cul. Tu te fais putain, mais à chaque fois. T'as vu, il y a ma main comme ça. Ouais, c'est. T'as vu Olivier? Avec l'odeur de sauce blanche, t'approches ta main. Non, je pense que l'aigle, il est en mode. Ah. Vraiment, je mettais mes doigts, il était là. Est-ce qu'on n'appelle pas l'homme de la situation? S'il vous plaît, Benoît. L'arbitre des arbitres. Benoît Blanc, le meilleur de tous. Hey ouais. Salut, comment ça va les gars? Alors, meilleur temps brut, effectivement. Très belle prestation. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au début, tu as perdu beaucoup de points avec la corde. Parce que tu l'as très souvent lâché, en fait. Oh non. Ah si, je t'assure, tu as lâché exactement 4 fois. Oh. Donc ça fait 20 secondes sur la première épreuve. Ah ouais, donc ça, ça t'a mis un peu un coup dans les pattes. Par contre, attention, au kick, 410 points. Mais non! 410 points, The les rock. Gars. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous sers? Et Maxime m'a dit d'ailleurs, la phrase a été bien dite. Ouais, par mais Maxime, contre, il bosse avec eux depuis 4 ans, enfin, je veux dire, il est pas très... À Kipo Quiz, il y a 3 mauvaises réponses sur 4, donc t'en as quand même une bonne, ouais, mais bon, on la compte pas. Et le sandwich, la salade en trop. J'ai mis de la salade en trop. T'as mis de la salade en trop, ce qui te ressemble pas en plus. Toi, tu rajoutes pas de salade en général. Ensuite, la lance. Il y a eu 5 points d'abord parce que t'étais dans le gris. Donc c'est 5 dans le gris. Ouais. Et 0 parce que c'est la cible, ça on peut applaudir. Ah bon? Vous allez voir, lancer la cible au milieu. Là, moi j'ai eu moins 20. Enfin, moins 22. Mais du coup, on peut peut-être enlever mon premier malus parce que. Ah non, bah non. Alors ensuite, il y a eu un toucher de roche, 5 secondes. Quel premier de la seconde? Ça va. Alors attention, là où ça corse, c'est l'escalade. Ah, je croyais que c'était à Calvi, moi. L'escalade, c'est un peu dur. Tu as touché plusieurs fois les prises rouges. À partir du moment où on touche une prise rouge, on prend 15 points. Après, c'était parfait jusqu'ici. Alors attention, le score est hyper, méga, super, épiquement serré. Donc, 75 secondes de malus, plus ton score de 4 minutes 51, on arrive, attention messieurs, à 6 minutes 06 contre 6 minutes 04. Oh putain, 2 secondes, les gars. C'est hyper chaud. Tout ça pour 2 secondes. Kick, non, ton parce que kick va te rapporter beaucoup, ton kick va être premier. Nous, on aura forcément un malus. Ça veut dire que lui, sauf faut qu'il passe si au moins 30 secondes. Mais c'est impossible. Moins. Mec, t'as mis toute ta force non, et ton poids. Non, mais tu peux faire mieux que c'est très serré, là. Non, les gars. Pour le kick, j'ai mis toute la force du bison. J'ai foncé comme un bison. On a vu ça. Bidon. C'est possible de le taper à 2 pieds, tu crois? Ouais, mais c'est plus un Spartak, attention. Et là, c'est un malus de 20 secondes, je crois. Tout à fait, exactement. Il est chiant, c'est le syndicaliste de YouTube Warrior. Moi,
les gars, je vous conseille d'enchaîner. À tout à l'heure. Allez ouais, bravo. Le meilleur. Il est incroyable. C'est le meilleur. Bah là, je suis au chaud, j'ai bien mangé. Je suis plus dans une sorte de digestion. La sieste, c'est après. La sieste, c'est après. T'es mon coquillage, mon petit crustacé préféré. Oui. Ok. Depuis tout ce temps. Je peux le faire. Tu peux le faire. Moi, je pense que tu fais-le peux pour pas la le mer. Faire. Fais-le pour la mer. Oui. Oh, il est pas serein. Allez, c'est parti. Wow. Hein, on, le timer, le timer, on n'affiche plus rien. Il a pété le timer, le syndicaliste. Putain. Type, t'es le meilleur, mec. T'es le meilieur crustacé de l'océan. Arrêtez, tous les bigordos. Eh, mec, c'est fou, vous êtes pas des crustacés, vous êtes des humains. Cette direction artistique de crustacé. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait deux fois Fort Boyard. Ouais, c'est vrai? C'est un peu comme ce qu'on a fait là. Mais en moins bien. Mais attends. Donc je peux. Est-ce que je suis un peu plus musclé qu'olivier mine? Bien plus musclé. T'es plus beau en tout cas. Sip, concentre-toi, ils veulent te distraire. Est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1, go! Hop là. Oh putain, le con, le con, le con. Oh putain de ta mère! Oh non! Ah ouais. Sip, concentre-toi. Ça commence déjà très très mal. Ça a blingué sa mère. Allez, hop. Voilà. Ah bah oui, exactement. Mais du temps d'arriver le cible. J'en ai marre. Oh, je suis Simon. Il s'est perdu. Ah mais tu sais, c'est pas notre milieu, nous. On est vraiment plutôt à gaming. Oh non, mais j'en ai marre. Allez, cible, allez, 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 allez. Ouais, ça faut, ça descend direct. Allez, dépêche-toi, cible, on y va. Il prend son temps. La photo, la photo. La photo de ciel. On verra le cul. Les côtés noirs. Les côtés noirs, cible. Il prend son temps ou c'est moi? Bah, c'est une méthode Cyprien, alors, quoi. Moi, je pense qu'il est à fond. Mais frère... Oui, d'ici, on voit pas. Mais non, mais il prend vraiment son Regarde bien. Mets une petite musique. Arthur, mets une petite musique tranquille, une musique d'ascenseur. Ça, c'est tout noir. Ça, c'est tout noir. Allez, Cyp, on accélère tous les mouvements par 4. Oh, on multiplie la vitesse par 2. Ta gueule. Et on diminue les... Bah, il y a une grosse cohésion entre crustacés. Oh, mais carré. Ce choix édito me rend fou. C'est horrible. Les gars, je vais vous dire un truc. Peut-être qu'il prend son temps, mais peut-être qu'au moins il n'aura pas de malus. Faut voir. C'est une méthode. Ouais, mais là, il n'y a pas de malus à avoir à cet endroit, mon gars. Allez, Sip, t'es pas au top. Pas du tout. Tu veux quoi? Tu veux un café ou quoi? T'es le meilleur coquillage des coquillages. Eh, hey, Sip, qu'est-ce que tu bois? Allez, cours, 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 la Roumanie, cours. Ouais, comme je lui dis, en fait, d'où il vient. Capitale de la Roumanie. Cours, cours. Refais le prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Allez, tu fais le grec et tu réponds au type au quiz. Et t'es le meilleur Roumain de Roumanie. Il l'a effleuré. Qu'est-ce que je vous sers, chef? Salade, tomates, ketchup, mayo dans un pain d'orum. Pain d'orum. Redis-moi ça, frère. Salade, tomates. Elles sont dégueulasses. Dans la démocratie athénienne, les femmes avaient le droit de vote vrai ou faux? C'est faux, c'est faux. Bien sûr, c'est vrai, c'est faux, c'est faux. Les esclaves qui remportaient une compétition olympique gagnaient aussi leur liberté. Vrai ou faux? Bien sûr. C'est faux. Bah non. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité de Sparte était la grande rivale d'Athènes. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. L'ordre corinthien se caractérise par un chapiteau de colonnes composé de deux rangs de feuilles d'alcante. Vrai ou faux? C'est faux. Allez, bon appétit. Merci. Sip, il veut une bonne note sur Google. C'est léger, lance pas très fort. Attention, on écoute maintenant. Ah, ça a touché. Il a touché un truc. Il a touché un truc, c'est bien. Ok, que du dent du gris. C'est bien aussi, non? Mais mange pas, Maxime, il est con, lui. Wouah. Oh, il y a Olivier. Ah oui, là, il picore, là. Il s'est pris un coup d'aile. Zéro. Ah. Vas-y, viens. Fais vite, prends l'autre côté. Je me mets dos en marche, comme on a dit. Vas-y, frère, ne fais pas tâcher. Putain, ils vont très vite. Toi, t'es allé tranquille, là, c'est normal. C'est pas ça, c'est que je glissais, j'avais les mains. Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Vas-y, go. Allez, Sip. On a le même en diamant, t'as vu, pote, je sais. C'est le moment où peut-être qu'on peut un peu gagner un peu de timing. Ouais, fuck. Non, il est bon, regarde, il a réussi. Allez, Sip, concentre-toi. C'est sa méthode. Ouais, mais c'est une bonne méthode. C'est la méthode Sip. Moi, je serais pareil, je veux dire. Allez, la pose, le cri, tu sautes et on est archi bien, Sip, t'es le meilleur. Regardez le cul du premier youtubeur. Allez, vas-y. Parfait, parfait. Le saut, vite, Sip. Tu peux faire mieux quoi que fly. Ok. Ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner. Vache. Mais pour ça, il y a... La vache. Oh là là. Mon coquillage. Ça, t'as fait mieux que moi. Mais non. T'as fait mieux que moi. La vérité, on avait l'impression que t'étais lent. Alors que t'as tout niqué. Ouais. C'est incroyable. Même moi, j'ai l'impression d'être dans ma tête à fond et mon corps était là.
Au début, t'as mis v'là le temps. Et là, vraiment. Non, et quand t'es arrivé au kebab, frère, je sais pas ce qu'il t'a pris. Tu t'es téléporté. Il a pris son temps et je suis sûr qu'il a pas beaucoup de malus. Ça me saoule. J'ai pas pris mon temps. Écoute bien, au début, je croyais que... Je tiens à présenter mes excuses. Pendant le premier tiers de cours, je croyais qu'on était foutus. Qu'on allait retourner à notre état de chose aquatique. Et en fait, mec, t'as été légendaire. T'as été incroyable. Putain de alors merde, bravo. C'est chaud. Alors, ça, c'est mon coquillage. Petit débrief du parcours. Je crois que j'ai des malus à peu près partout. Arrête, ah ouais. Beaucoup. Je me suis vautré sur le coup. Oh, c'était fou, ça. Qu'est-ce que c'était alors, drôle. Quand je l'ai fait dans le vide, dans ma tête, c'était vraiment... Oh, c'est un bon coup, ça. Mais j'étais dans le vide, tu sais. C'est bien. Et après, j'ai réalisé que j'ai pas touché, que le truc était intact. J'ai fait, il faudra peut-être en faire un deuxième. Olivier l'aigle, il a commencé à picorer un peu la main. Donc moi, si tu veux, j'étais pas dans une sorte de complicité avec Olivier. Je fais, Olivier, déjà, t'as la mauvaise attitude, tu vois, en tant qu'aigle. Je sais pas si vous avez entendu, c'était Noël en bas. Benoît confirme. Attention, va, c'est Noël. Benoît, viens ici, Benoît. Et on hey se ouais. Alors attention, d'abord, le parcours, t'as très très bien tenu le fil d'Ariane. Ça a un peu fait gros lot. Moi, j'ai envie de dire, on n'avait pas parlé de cette histoire de gros lot réellement. Donc, je propose 5 points de gros lot pour l'ensemble du parcours, parce que par contre, t'as été très vigilant à bien regarder, plus que certains. Et 5 points grosso modo. Grosso modo. Non, ça, c'est que en story, ça. C'est pas fou, dans les vidéos. Grosso gros lot, pardon. Ok, ensuite, deuxièmement, la mémoire des assassins, c'était superbe, en plus il y avait un joli petit cul. Ensuite, le kick, 326 quand même. Oh, pas mal. Hein les gars, c'est beau ça. Alors, trop de poids sur les épaules. Ensuite, très bien, la phrase, nickel. Deux bonnes réponses pour Kipo Quiz, deux mauvaises réponses. On est sur le 50-50, c'est bien, c'est toi mais c'est quand même vraiment pas mal. Par contre, il manquait, Maxime. J'ai demandé ketchup mayo. Mais tu quoi, tu veux qu'on te rembourse ? C'est quoi l'idée là ? Il est déçu, mais quoi, il est vraiment déçu. Donc t'as pris 20 secondes avec ce sandwich grec. Je suis désolé, Maxime. Ensuite, la lance, très beau lancé, deux fois dans la partie extérieure. Donc t'as touché, t'étais pas au centre, ça fait 2 fois 5 secondes, 10 secondes. Je n'ai jamais fait aussi peu de vannes. Ah, y'a rien, j'ai peur. Il a stress, regarde Carlito, ne dit plus rien. J'ai rien. Alors attention, enfin, la prise, par contre, t'as touché les prises rouges deux fois. C'est un global de 15 points. C'est un global de 15 points que t'as pris du coup. On dirait qu'il nous fait un package. Attention, donc au total, 50 secondes de malus. Oh, putain. C'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas énorme. Là. C'est quand même excellent. C'est comme toi. En plus, avec un temps à 4,45. Mais attends, il y a un truc. Il buguait et j'ai mis 5 secondes à le lancer, donc t'ajoutes 5. 3, 2, 1, go! Ça se tente pas. Ça a sonné direct, c'est bon, allez, viens, on va se placer. Attends, regarde bien. Attends, frère, putain. Ah, c'est bon, ok, on rajoutera 5 secondes. Ça nous fait un total de 5 minutes 40. Oh, putain, mais il est incroyable! Il a tout défoncé. Alors, merci à tous ceux qui ont fait des fanarts, ça a flatté son ego et aujourd'hui il a donné le meilleur de lui-même, ça, il a tout niqué. Tu fais une ref à tes propres vidéos Bon, Carlito doit faire combien pour espérer potentiellement gagner? Alors, il faut qu'il fasse exactement 5 minutes 38 maximum. Avec malus? Avec malus tout compris. Il y a une chose importante, c'est qu'il y a le Spartan Kick. Toi, t'as fait le meilleur score pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, c'est David premier avec 410, ensuite Cyprien 326 et Lucas avec 100 parce qu'on a rajouté le style. En gros, si t'arrives à être deuxième, ils peuvent prendre très cher parce que... Parce que voilà, le quatrième, il prend 30 secondes de malus, le troisième, 20 secondes de malus et le deuxième, 10 secondes de malus, le premier, 0. Pour l'instant, c'est David. Je suis pas sûr, enfin, c'est fou ce qui se passe dans ma tête. T'es stressé, c'est incroyable, frère. Oh, mais mec, c'est... Ok. En gros, c'est hyper chaud, mais c'est possible. Ok, 5,38, tu peux y arriver, écoute-moi. Je connais pas un mec plus dans l'auto-persuasion que toi. Moi, quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens toujours. C'est toi le mec le plus motivé pour réussir quelque chose. Tu peux déplacer des montagnes, casser des murs, être le numéro 1 tout le temps. Il y en a qu'un, c'est toi. Tu peux le faire maintenant et t'as plus qu'à le faire comme t'as fait toute ta vie. Tout est vraiment mensonge. Ok, toute ta vie t'as fait ça, tu continues à faire ça maintenant. Il en fait des caisses pour te motiver. Tu es un homme normal. Tu vas niquer tout. C'est ton meilleur ami et il te ment. Bogle ! C'est quelqu'un de très normal. C'est dans la moyenne. Ok mon car, il y en a qu'un. Je sais qu'au début on est un peu mou dans les jambes, ça fait un peu peur. Ouais. Mais une fois que t'es parti dedans, tu focus sur l'arrivée. Ok mon frère. 2, 1, go ! Parti ! Ah oui, d'accord, ok. Oh non, allez Raph, concentre-toi. Ouais, allez mon pote, lâche rien, j'ai confiance en toi. Ouais, il fait du carité. Putain, j'ai le cardio d'un soixantenaire. Mais c'est l'horreur ça. Ta mère. Non. Oui, Carlito, c'est bon, mon cher. Allez, Raph. Ok, on y va. Allez, mon frère. Stratégie. Ah, en noir. Rappelle-toi, c'est le A de Assassin. Rappeur, vous savez, vous avez compris. Souscrivez un abonnement qui disait. Putain, y'a la teub.
Je suis confronté à mes propres défauts. Ok, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Concentre-toi, Raph. Le casque au milieu, n'oublie pas. Oh, yeah. Je suis tombé sur les couilles de David. Il est sur mes couilles. Ça peut passer. Oh, non. Concentre-toi. Voilà, c'est bien, bravo, comme tout le monde. C'est bien, mon pote. Allez, le spartiate, tu donnes tout. C'est un mec qui a tapé tes enfants, il a tapé Isaac. Wouh! Wouh! Je crois qu'il avait un score de malade! 120, il a fait 120. Mais non, 420, il y a 420 en fait! Qu'est-ce que je vous cherche? Salade, tomate, toi, une sauce algérienne dans un pain pita. Salade, tomate. La Vénus de Milo représente en fait la déesse Aphrodite. Vrai ou faux? Vrai! C'est vrai! Pour des raisons de moralité, le corps des athlètes grecs devait être caché par des vêtements. Vrai ou faux? Totalement vrai! C'est faux! Homer est un personnage de l'Odyssée comme Ulysse, vrai ou faux? Bon appétit! Oui, vrai! C'est faux! C'est bien, mon cœur, voilà! Les lances sont légères, lance-les pas très fort! C'est bien. Fort, toute ta force! Non, ça, ça a peut-être touché, ça a peut-être touché! Allez, pour mes fils! Mais ça a touché! C'est ça! Voilà, c'est bien, mon pote! Attends, on l'entend bien, le coup! Ouais, t'as vu? Allez, il sort, voilà! Allez, mon gars, vas-y! Allez, Olivier! Olivier! Voilà! C'est magnifique, Olivier! Tout le monde est tranquille! Tranquille! Zéro! Zéro, voilà! Pardon, allez, excuse-moi d'avoir crié! Chef YouTube! Allez, vas-y! Tiens! Vas-y! Allez, go! Allez, vas-y! Mais je l'ai, vas-y! Fonce, je l'ai! Allez! Cours, frère, cours! Je suis à fond. Ok, prends ton temps maintenant. Prends ton temps, tranquille. Prends ton temps, voilà, vas-y. Vas-y, mon pote. Tu mets bien le pied. Chope les rouges. Allez, vas-y, c'est le moment. C'est la pire pour moi. Allez, vas-y. Allez, monte. Ouais, c'est vraiment marrant comme spectacle. C'est la pire épreuve. Allez, mon pote, c'est super ce que tu fais. Là, il faut que t'attrapes vite le haut. Hein. Vite, plus vite t'attrapes le haut, mieux c'est. C'est bien. N'oublie pas la position, leg. Ah, oh, c'est quoi? Ah, il a pris le temps de faire un cri sympathique. Ah, il vient vite. Allez. Bravo, Carlito. Bravo, mon Carl. C'est sur le putain, mec. C'est quoi? Écoute-moi. T'as été un king. T'as été un king, mec. Oui, je sais, tu peux pas parler. Le score. Personne me dit le score. Combien je vais faire? 5 minutes 7 et tu dois faire 5,38. Attendez, mais et t'as je mis crois... un Spartan Kick de ouf, donc on a des chances. Je crois qu'il a mis un Spartan Kick de bâtard. Ouais, mec. Je crois que c'est pas mal ce que t'as fait. Oui, mais alors, désolé d'intervenir, mais ce n'était pas vraiment un Spartan Kick, hein. Il n'y avait pas le mouvement du Spartiate, donc. Ah. Quoi? Quel est le projet? Il va me mettre sur moi. Je l'offre à celui qui nous écrit le plus beau poème en commentaire. Allez, ok, bravo, très bien. Oh. Ouais, il est bon jusqu'à dans okay. Écoutez, il y a Benoît qui vient de faire son intervention. Oui. Benoît Blanc qui arrive en petit jump, qui a fait tomber les lunettes, tomber la casquette. Ça fait 4 fois qu'il fait le YouTube Warrior, lui. Il a fait. Non. Le meilleur Spartan Kick. Ça, vous savez ce que c'est? 3 ans au Racing Club de Colombes. Coupe des Hauts-de-Seine, frère. Il est où, devant? Ah, il a le seum, regardez. Squeezie est un animal qui disparaît quand il a le seum. Il est où, lui? Il fait un câlin à la poutre. Attendez, j'arrive. Ça va, mon pote? C'est bien, son, c'est bien, déjà. Non, mais son, c'est bien, déjà. Non, mais son, c'est vraiment... C'est bien, non, son. C'est 86. 86, c'est bien, son, c'est bien. Bah, mais tu te moques de moi, t'es pas sincère. Énormément. Non, mais c'est incroyable, cette histoire. Première épreuve, t'as eu 5 points de malus. Il y a juste un moment sur le fil. Non, c'est la cloche. La cloche. T'as fait sonner la cloche, mais t'as pas lâché le fil. Comme je t'avais dit, t'as pris ton temps pour pas lâcher le fil. Tu transpires, c'est trop drôle. Mais c'est parce que j'ai des hanches méditerranéennes. Ensuite, derrière la photo, bah, t'as mis un peu ton temps, mais t'as pas eu de malus, tu l'as bien fait. Ça a mis du temps ? Non, trop bien. Non, nickel, c'était nickel. Ouais, bah, ferme ta gueule. Je pense que t'as fait même le meilleur. Donc, le Spartan Kick, on peut en reparler, mais bon, voilà. Quel score j'ai fait ? 422. Ensuite, t'as bien posé la question, qu'est-ce que je vous sers, chef ? Ah ouais. Tu as répondu 2 fois de la mauvaise réponse, t'as eu une bonne réponse sur 3 questions. D'accord. Et ensuite, le sandwich, je crois que c'est la première fois, correspondait à la commande. Oh mon frère, je t'avais dit quoi? Je me permets de signaler juste Maxime qui est très fier, il le montre comme ça, genre, ouais. Eh, les gars, c'est un travail d'équipe ça. Il est très satisfait. On voit rarement des clients aussi satisfaits. Ensuite, attention, le jeté de lance. Ouais.
sur le jeté de lance, t'as eu touché une fois la zone grise et une fois le centre, monsieur. Ah putain, mais t'es un king. C'est ensuite derrière, bon bah t'as galéré. Ici, t'as perdu tes 15 points. Ouais, normal. Mais c'est tout. On est à 5 minutes 7 plus 35 secondes de malus, ça fait 5 minutes 42, c'est quand même un super bon. Tu devais faire 5,38 sans compter le Spartan Kick pour être bon. J'ai fait 5,40, t'as 2 secondes de plus. Donc attends, écoutez, c'est important. Sans le Spartan Kick. Je réalise ce qui est en train de nous arriver, ok? Sans le Spartan Kick pour l'instant. Ils ont gagné, on a perdu, mais... Le score sans le Sporting Kick. 11 minutes 44 pour Cyprien et Squeezie. Contre eux, 11 minutes 48 contre McFly et Carito. Il y a 4 secondes. Putain de merde. Mais avec le Sporting Kick, vous avez donc 50 points, 50 secondes de malus contre 10 secondes de malus. Qu'il y fait un total, messieurs. Attention, accrochez-vous. 12 minutes 34 pour Squeezie et Cyprien contre... 11 secondes, 58, ils ont gagné! Ils ont gagné! Et on voilà! Certains gamins! Quel bonheur! Ah putain! Ça, c'est pour tout! Pour tous les mecs du 9-2, pour tous les mecs qui ont fait back L, pour tous les mecs qui ont fait séparés, pour tous les mecs qui aiment le foot, mais qui jouent plus au foot! Bien sûr! C'est ça! Ah putain, pour tous les mecs qui disaient que j'étais un petit gros, pas capable et que j'allais pas réussir dans l'audiovisuel! Qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu dis? La rage avant la perte! Putain! J'y crois pas, mec, sans le Spartiate, on gagnait pas le retournement de situation. On a bien fait de concevoir ça, en plus. Team Zéro Sport depuis 1000 ans. L'équipe des darons a gagné, c'est ça qui est honteux pour eux. C'était un super moment qu'on a passé ensemble. Le parcours était incroyable, et je pense même si bien calibré, parce que finalement, avec vos idées de malus et tout, c'est incroyable ce qui s'est passé. Vous étiez magnifique là-dedans. Tu étais magnifique. Je crois qu'il y a un mais, c'est juste positif. Mais j'ai un somme intégral de tout mon être, parce que on avait un concept de ouf pour vous faire rager. Ouais, on a trop travaillé. Je redoute la semaine prochaine. Si je peux me permettre, ton seum va être décuplé, puisque l'idée qu'on a... On ne la dit pas, évidemment. Elle est folle. Rendez-vous mardi, parce que lundi, c'est un peu tôt. On a les gens nous ont dit lundi, vous spoilez le vous truc. Vous spoilez, on n'a pas eu le temps de voir bien la vidéo. Je suis sûr qu'on a la même idée. Qu'on a une idée pareille. Ouais, mais c'est pas te mettre au niveau de non. Alors, les gars, écoutez-moi bien. Donc, ce sera mardi. Sur donc la chaîne de Bigorno et Coquillage. À 18h. À 18h, il y aura une nouvelle vidéo, hein, mais qui ne sera pas de Bigorno et Coquillage, qui sera... de McFly et Carito. Qui sera le gage finalement, et vous, Bigorno et Coquillage. Vous découvrirez... Ça marche sur moi. C'était drôle. Et si vous voulez un petit indice... Est-ce qu'on va apprécier nous? Est-ce que... Attends, qu'est-ce que nous arrive? Si vous voulez un petit indice, soyez tous réactifs. Ah oh, oui. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous, merci mon frère. Les amis. Merci pour ce YouTube Warrior, ouais, il était incroyable. J'étais là au premier. Ouais, et ouais, je peux voir que ça a vraiment grandi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce parcours, même si j'ai été nul. Non. Et qu'une fois plus, ma petite taille m'a porté préjudice. Non. Mais ce n'est pas grave. Coup du martyr. Gros bisous à Ben Blanc, bien sûr. T'as été parfait. C'est super agréable. Qui office en duo lui aussi chez Internet. Internet. Qui fait une série très bientôt, suivez-le, il est mortel. Abonnez-vous à la chaîne d'Internet, on va vous mettre le petit lien en macaron dans la description. Merci évidemment à Cyp et Lucas, nos collègues préférés, des collègues qui sont devenus amis. Merci parce qu'on est à la peut-être bourre en plus. Peut-être tout va être ruiné. À toute la team. Toute l'équipe. La putain de team, pareil. On met tous les avatars, on va l'écran, sera plus rapide. Prod, technique, l'orga, l'équipe de Assassin's Creed, tout. Évidemment, merci Assassin's Creed aussi qui nous permet de faire tout ça. Avec qui on a monté ces jeux. Quand même, il nous permet de faire des trucs fous sur YouTube. Donc ça, c'est son partenaire aussi avec nous depuis super longtemps. Oui, tout à fait. Du gros love. Mention spéciale à Max Pontois aussi qui est à la prod et qui a en plus joué le rôle d'un comédien finalement. On l'a vu. Prochain épisode, on vous promet, on mettra des filles, ça nous tient à cœur d'être vigilants là-dessus. Merci à tous. Quoi d'autre? On a autre chose en stock? Rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi sur la chaîne de Bigorno et Coquillage et bien sûr, souscrivez à l'abonnement.